Salut à tous les amis, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo à moto, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, c'est vrai. Il faut savoir que l'année a pas très bien commencé pour moi. Et c'est l'occasion pour moi dans cette vidéo de vous faire un petit peu le détail de ce début d'année et pourquoi aujourd'hui on est en avril, il n'y a pas plus de vidéos que ça sur la chaîne YouTube. Voilà, allez, c'est parti. Alors déjà, si vous êtes attentif, vous pouvez voir qu'ici un réservoir blanc et une bulle haute. Ce n'est absolument pas ma moto. Actuellement, je suis sur une Z900 de 95 chevaux, prêtée par Kawasaki Seclin. Voilà, donc merci à eux. Elle totalise 17 000 km et je dois avouer qu'à son bord, n'y est plutôt bien. Ça roule plutôt bien. Mais je suis pas là pour parler de cette moto aujourd'hui. On bat les couilles, frère. Bah alors, ah quand même, putain, ça c'est le genre de feu. Et vous avez bien vu le compteur, je roulais pas à 50, il n'y avait personne qui arrivait en face. C'est de la merde, mais bon. Je sais plus ce que je disais, mais voilà, cette moto, bon, vous avez vu le ciel, je vais pas faire un essai moto sous ce temps-là. Donc, je sais même pas si j'aurai l'occasion de faire un essai moto, étant donné que je ne vais pas la garder très longtemps, logiquement. Voilà. Pour en revenir à ce qui s'est passé depuis ce début d'année, eh bien en fait j'ai accumulé la malchance et donc je vais pas tout vous détailler, mais on va en discuter un tout petit peu quand même. Ça commence déjà par ma Kawasaki Z900, un modèle de 125 chevaux acheté en 2021, qui a eu très rapidement, aux alentours de 6 000 km, oui dans ces eaux là, 6 000-7 000, un suintement moteur sur le bas moteur. Donc jusqu'ici rien de très grave, prise de garantie, c'est ok, voilà, je le dis clairement, c'est ok, prise de garantie. Sauf que je ne l'ai pas acheté à Kawasaki Seclin, hein, au cas où vous vous posez la question. J'ai acheté cette moto à et si vous voulez, je l'ai déposé 2-3 fois en tout. 2-3 fois en tout à Hansbourg. Le même problème, un suintement au niveau du joint. Enfin ça, c'est ce qu'ils avaient établi. Et à la fin, donc au bout de ces 3 fois de garantie, où à chaque fois ils gardent la moto pendant un mois, ça a réparti sur un an, j'en avais marre. Donc... j'ai décidé après de la ramener à Kawasaki Seclin, voilà. Tout simplement, je l'ai ramené, c'est tout, à Seclin. Parce que moi, ce que je voulais, c'est que vraiment, il règle le problème une bonne fois pour tout, quitte à ouvrir le moteur. Kawasaki Seclin, ne sachant pas comment travailler, ont décidé de changer le joint où il y avait le doute de la fuite, une quatrième fois. Donc là, on est parti pour une quatrième fois, un joint, voilà. Ça ne fait pas le travail, au bout d'un mois ça ressointe. Alors il décide d'une cinquième fois d'intervenir sur la moto. Alors je réfléchis beaucoup parce que il faut pas que je dise de bêtises non plus, vous comprenez. Et là en fait ils disent bon bah on va ouvrir le moteur et puis on va regarder qu'est-ce qui se passe là-dessous. Donc ils ouvrent le moteur et là ils tombent sur une pièce à l'intérieur du moteur qui sert à faire un réglage. Je ne sais pas exactement le but de cette pièce, enfin bref, je suis pas mécanicien, mais en gros c'est une pièce à tube assez long et il était griffé, donc il décide de le changer et en même temps de rechanger les joints pour la même occasion. Voilà, c'est fait, c'est refermé, je roule un mois et paf, ça soigne. Je fais bah non, c'est pas possible, la moto c'est la cinquième fois qu'elle va en garantie, c'est toujours pas réglé. Et là il s'avère que on arrive sur les 2 ans de la moto et qu'il reste plus beaucoup de temps avant la fin de la garantie, tout simplement. Et donc je décide donc en janvier de cette année 2023, le 20 janvier, de la déposer, sachant qu'il reste un mois de garantie. Et là je leur dis clairement, vous faites ce que vous voulez, je ne la récupère pas tant que cette moto n'est pas réparée. Et bah Kawasaki Seclin, bien entendu, eux, ils veulent faire le maximum pour que le problème soit réglé. Donc, ils ouvrent le moteur, ils font des analyses, des tests, et ils en déduisent
que l'intérieur du moteur, le bas moteur, est poreux. Et donc, vu qu'il est poreux, en fait, le souhaitement qu'on a depuis le début ne vient pas du joint, mais du coin du moteur, parce que le bas moteur est poreux. Voilà. Donc, petit à petit, l'huile, en fait, traverse la matière. Clairement, c'est pratiquement ça. Tellement qu'il y a de pression dans un moteur. Et donc là, ils interviennent. Bon, normalement, un truc comme ça, en un mois, c'est fait. Voilà. Hein. Ils interviennent, ils travaillent dessus, ils changent le bas moteur. Et bah, il s'avère que au moment de redémarrer, de faire les essais de la machine, il n'y a pas de pression d'huile. Au revoir. Donc la moto affiche un voyant d'huile. Il y a un problème sur ce bas moteur ou sur je sais pas quoi exactement. Salut mon gars. Et bah du coup rebelote. Ouais, il est samedi là. C'est un fou lui. Ouais, il y a des gens qui travaillent sur le côté et à mon avis ça doit être des potes à lui. Oh là 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 là. Et j'espère que c'est pas leur patron en tout cas. Ils étaient en train de se restaurer, il est passé 13h, hein, c'est pour ça. Et donc du coup, il m'a un peu coupé la chic, il rechange une deuxième fois le bloc. Donc là, le bas moteur, donc on est à celui d'origine, celui qu'ils ont changé, et là encore un autre. Donc, et il travaille dessus, et aujourd'hui on est le 21 ou le 22 avril, je ne sais plus exactement, et la moto est là-bas depuis le 20 janvier. Et tout ça, bien sûr, je n'avais pas eu de moto de prix ni rien, hein. Attention, je tiens à le préciser. Alors, en fait, bah, y a la semaine dernière, je leur ai communiqué mon envie d'avoir une moto de prêt parce que j'en avais ras-le-bol. Il y a eu des beaux jours, ça fait longtemps que j'ai pas roulé. Voilà, au bout d'un moment, faut que je roule, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'histoire de la Kawasaki Z900. Mais c'est pas tout, parce que, voilà, je vous ai dit, moi, ça va, j'ai jamais 203. Suite à ça... Aux alentours de février, on me rentre dedans dans ma voiture avec un engin de chantier. On me rentre dedans, littéralement, le mec perd le contrôle sur un Dodan avec une chargeuse et atterrit littéralement dans ma voiture. Ma voiture a été très endommagée. Et je n'ai rien. J'avais quelques petites coupures aux mains dues au bris de glace, mais au verre. Et vraiment... Je suis passé par une belle porte, j'aurais pu, je vais vraiment être honnête avec vous, ou mourir, ou perdre mon épaule gauche. J'ai eu énormément de chance, ma voiture est épave, et je vais vous la faire courte, mais il m'a fallu au moins 3 mois avant de pouvoir récupérer de l'argent de ma voiture et d'acheter une autre voiture, voilà. Donc, enfin ça c'est pas février, mars, avril, ouais c'est ça, ouais, 2 mois et demi, voilà. Et donc, voilà, ça... ma voiture explosée, ma moto bloquée au garage. Et alors c'est peut-être minime, mais c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai ma montre que j'ai achetée. C'est le premier achat que j'ai fait avec ma première paye à mes 18 ans. C'est très symbolique pour moi. Je tombe en rade de pile. La dernière fois qu'elle est tombée en rade, parce qu'elle a 8 ans cette montre maintenant, je l'avais ramenée chez Cléor. Cléor avait fait tomber les aiguilles à l'intérieur du cadran, vu que c'était une montre qui ne craignait pas l'eau, il y avait tout un processus pour la démonter. Ils l'ont envoyée chez le fabricant de montres, que je ne vais pas citer, parce que du coup c'est de sa faute à lui et pas à Cléor. C'est pour ça que je me permets de vous citer le nom. Et... la marque de cette montre ramène la montre et bizarrement me fait rien payer, la pile est changée, la jointure a été refaite, tout est ok. Et là, donc là-dessus on est pas mal, hein. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, puf, plus de pile. Je la ramène chez un bijoutier que j'apprécie, il l'ouvre et là il me dit bah c'est mort, tes aiguilles elles sont retombées parce que ta montre a mal été remontée. Et en plus de ça, je peux pas la démonter plus que ça. Si vous voulez, il y a le châssis de la montre et l'intérieur, le mécanisme. Et en fait, le mécanisme a été rentré de force en biais.
dans la montre. Donc ce qui fait que tout est tordu, tout est plié et tout est coincé. Et donc elle est morte, ta montre, clairement. Le mécanisme, tout est plié à l'intérieur. Donc ça me rajoute ça. Donc je vous cache pas, hop, pardon, petit rétro, que j'en pouvais plus de ce début d'année. Et j'avais pas envie de faire de vidéo. Pas plus que ça en tout cas, à part la vidéo sur les avions, vraiment là, ça me tenait à cœur. Et encore, elle a été tournée l'année dernière, en fait j'ai juste fait le montage super tard. Mais voilà. Donc non, au final cette année, à part la vidéo sur la ER6, j'ai rien tourné. Et voilà. C'est clairement un mauvais début d'année. Et là vous le voyez au temps qu'il fait. Hop, je vais vous frotter un petit peu. C'est pourri, on a que du temps de merde, j'en ai ras-le-bol, c'est du vent, de la pluie, du vent. Bon, en tout cas, c'était une petite vidéo pour vous expliquer 2-3 petites choses comme ça. Rien de bien passionnant, je suis désolé. J'espère que la prochaine vidéo vous plaira. Et je vous dis à plus les amis.